Amen. Nous allons commencer. Nous allons faire la prière d'ouverture. Je vais demander à notre petit frère Elon de nous faire la prière d'ouverture. Okay. Allô? Oui. Ok, prions. Seigneur mon Dieu, je prie te remercier, Saint Jésus, de nous avoir protégés et gardés durant toute la nuit et durant toute la journée d'aujourd'hui. Saint Jésus, merci. Tu es resté avec nous. Tu nous as protégés, tu nous as amenés, tu nous as ramenés. Saint Jésus, merci. Marcus by Goldman Sachs doesn't treat investing like a game. Your digitally managed portfolio is backed by over 1. Tout ce que nous avons dit de mal, fait de mal, pensez de mal, Seigneur Jésus. Tout ce qui est péché dans notre vie, tout ce qui est iniquité dans nos vies, Seigneur Jésus, que ton sang, Seigneur Jésus, nous lave et nous purifie. Justifie-nous, Seigneur Jésus, encore une fois. Seigneur mon Dieu, je remets tout ce que nous avons fait ce soir entre tes mains. Que ton Saint-Esprit vienne prendre la première place au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses pour que tout ce que nous faisons soit dans la gloire de ton nom. Chasse tout esprit qui n'est pas de toi, tout esprit qui est adversaire, Seigneur Jésus. Ils ne sont pas acceptés au milieu de nous, Seigneur Jésus. Chasse-les et fasse que tout aille comme si des roulettes. Seigneur Jésus, je remets tout entre tes mains. Viens toucher le cœur de quelqu'un ce soir. Viens enseigner quelque chose à quelqu'un ce soir. Et viens changer la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur Jésus, je remets tout entre tes mains. Que tout se passe bien. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous remercions notre frère. Et il y a quelqu'un qui va nous aider à l'interprétation. Oui, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui. Ok. Oui. Mais il y a du bruit derrière votre, ce que vous faites. Il y a du bruit derrière. Chez moi? Oui. C'est comme il y a la télé qui ou il y a la radio qui parle. Ok, ça va maintenant. Ce soir, nous n'allons pas faire une étude biblique. Mais nous allons rester dans la parole et prier. Et nous avons un seul sujet que nous allons prier pour. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Je pense que durant toute la semaine, nous allons prier pour ce sujet. Peut-être quelques jours de la semaine prochaine aussi, on va prier pour le même sujet. Notre église, la Chapelle Internationale, a un besoin. Chapelle Internationale, et ce besoin, c'est un besoin crucial. Et comme Dieu est celui qui pourvoit toutes choses, nous devons retourner à Dieu pour lui demander de nous donner ce besoin, de nous satisfaire ce besoin. Philippiens nous dit que et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
Je dis Philippiens, dans le livre de Philippiens, nous trouvons que Paul dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Ok, le Philippiens, tu as parlé de Paul, le problème, « Il y a un mot à toi, mais il y a un mot à toi. » Selon la richesse, selon sa richesse. « Le que sinon ton yé ta. » Et avec gloire en Jésus-Christ. Et le José le Christum. Un petit coquet le Christum. Nous avons ce soir confiance en Dieu que si nous retournons à Dieu, si nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie, de faire des miracles dans notre vie, de satisfaire ce besoin pour nous, il le fera parce que c'est un besoin pour nous. Et tout ce qui est besoin pour nous, Dieu satisfait, Dieu pourvoit à nos besoins. C'est un Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins. Donc, ce besoin dont tu parles, il dit besoin, il ne dit pas quel besoin. L'Église a c'est le besoin d'avoir un lieu de culte. Nous, les hommes, nous avons des plans, nous avons des propositions, nous avons ceci et cela, mais Dieu est le top. Dieu, c'est Dieu qui arrange tout, Dieu qui fait valoir ce que nous voulons. Pourquoi nous allons prier ce soir? Nous sommes là pour prier, pour demander à Dieu de nous donner un lieu de culte. L'impossible est humain, mais Dieu, il n'y a pas d'impossibilité devant Dieu. Pourquoi? Nous allons lire quelques paroles dans la Bible et nous allons nous baser sur cela pour commencer par prier. Ok, bien, la Bible. Je vais donner un long texte que nous allons lire. Ce n'est pas de mes habitudes de prier avec des longs passages, mais il est bon de lire cela pour que nous puissions comprendre. Donc, nous allons lire 1 Chronique 29. Chronique 29, Banto. Oui, et ta blague, voici que bien, c'est pas tout, mais je vais vous arrêter quand je vois que ce que je cherche, je l'ai trouvé. Donc, en commençant par le verset 1, quelqu'un pour nous lire cela. Chronique 29, verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu
de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être l'argent, et les reins pour ce qui doit être les reins, du fer pour ce qui doit être du fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc et en qualité. Quantité. En quantité. Je vais changer de Bible. Oui. Je vais changer de parce que je suis en train de lire pour papa là, c'est trop petit. Je vais vous aider. Pour le relayer un peu quand il cherche. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, faut souligner cela. À la maison de mon Dieu, l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Tu continues. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or. Tu continues. Ok, vous pouvez reprendre maintenant. Pour l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Amen. Oui, il faut repasser le verset 5. Ok. Celui qui projette n'a qu'à repasser le verset 5. C'est le verset 6 qui est fiché. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Ok, vous continuez un peu, je vais voir. Ok. Les chefs des maisons paternelles. Vous attendez d'abord, ça va. Ok. Celui qui projette, quand vous me projetez à partir du verset 1. Jusqu'au verset 6 que nous sommes arrêtés. Au verset 5. Connais-tu le bâton de table va voir chez qui? Je peux plus bâton. Mais ma fille, vraiment. Donc, ne me le bloquez pas, comme. Pour le temps, parce que c'est long. OK. Il s'agit ici de la construction du temple de l'Éternel. Et le roi en question, c'est David. David qui se voit âgé et qui préparait le terrain pour la construction de l'Éternel pour son fils Salomon. Nous voyons déjà à partir du verset 1 ce que David dit. Il a dit à l'assemblée.
mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et inexpérimenté. Dans d'autres versions, on dit d'âge faible. Mais c'est dans la version que moi j'utilise, on a dit inexpérimenté. Vigne Salomon, de vie ce qu'on a, alors que l'ouvrage est immense. Quel ouvrage dont parle la Bible ici, dont parle David ici, c'est l'ouvrage, c'est la construction de la maison de l'Éternel. Donc, avec Yablon, Fia David, le Tepesia, Bedoho, Otutu, Namau, Yvon Yablomola. Mon but ce soir n'est pas de vous dire de contribuer, d'amener de l'or, de l'argent, comme David a fait. C'est pourquoi j'ai amené cette portion. Non, mon but n'est pas ce n'est pas ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mon but ce soir, c'est que nous voyons que dans le passé, les gens ont besoin aussi du temple et se sont investis dedans pour avoir le temple pour l'Éternel. Donc, on me dit qu'on va bien, ils se sont investis dedans par leur richesse, par la prière, parce que nous allons voir la prière tout à l'heure, qu'ils se sont investis totalement dedans et ils ont construit, ils sont arrivés à construire un temple pour Dieu. Donc David savait l'immensité de la tâche qui attendait son fils qui va construire. Il s'est donné le devoir de préparer le terrain, de préparer les choses. Parce que lui n'est pas qualifié pour le faire, mais son fils est qualifié. Mais l'immensité du travail oblige David à préparer le terrain pour son fils. Donc, il y avait le lumière. Bientôt, il y a David ici. Est-ce qu'il peut avoir le lumière? Il vit Mathieu. Il y a un peu de jira. Te perdo, il y a jira. Il y a jira. Il y a un peu de jira. Je veux dire par là que des fois nous voyons l'œuvre très chercher, allons chercher une place pour louer, allons chercher quelque part pour qu'on adore. C'est très simple à faire, mais quand tu rentres dedans, tu découvres que c'est très immense. C'est pour l'Éternel, c'est pour Dieu que nous cherchons une place. Et nous devons nous préparer spirituellement, comme physiquement, comme matériellement, comme financièrement, nous devons nous préparer avant de rentrer dedans. C'est ce que nous allons voir ce soir. Donc cette préparation spirituelle, financière, matérielle, sur tous les plans, ils se sont préparés pour arriver, pour construire un temple à Dieu. David l'a compris, c'est pourquoi il a dit, mon fils est immature, il est inexpérimenté, il ne peut pas arriver à le faire. Je vais me mettre du temps, je vais préparer les choses pour lui avant qu'il n'arrive. Cette préparation aujourd'hui, on n'a pas besoin que quelqu'un nous prépare le terrain comme David l'a fait pour Salomon, mais nous-mêmes, nous pouvons préparer le terrain. Nous avons laissé ces exemples dans la Bible et nous devons nous préparer. C'est pourquoi ce soir, je veux t'inviter à cette préparation spirituelle, à prier Dieu pour que Dieu puisse nous aider à arriver.
Mali pour voir le fier David, nous pour quoi je chia, un défié contre me, il va y vivre Mathieu. Bois un doy, maman le bon, mais il vit neuf ans. Mani de poté oignon, mani de doa choco, à chocolat choco, ou un yan jadjirado, un yan jadjirado le nukam, un yan jadjirado le casino no gum, et il ou dira ou yan jadjirado le bobom, et la bana. Ta flache mta sala majimre wona tubdu hona mawo ta ehia jajira role gbogbo e wanye onye ehia jajira role keshiro nu jiji o hanguma ta nyemele ma ogboro mo enu isike David siami afodope ya bere nebe ya tubdu hona mawo manya ba keshiro nu benya de ko nyo ke bu ehia ba nya ire gbogbo ma ha nya jira role gbogbo ma ha ne esia o kata ma o fashi wa gereme ne mi atekpo nu sidimele. Dans le verset 2 déjà nous trouvons ceci. Quant à moi, dans ma version, c'est ce qu'on a mis. Et dans la version qu'on a projetée, je pense à lui, ce dont on a mis, j'ai mis tout. Mais ici, on dit, quant à moi, j'ai consacré tous mes efforts à préparer pour le temple de mon Dieu de l'or, de l'argent, du bronze, du fer, du bois, pour tout ce qui est à fabriquer avec des divers matériaux. Ça, c'est le verset de l'Évangile. Le peuple veut bien que le nom de Mocho, Nyemousse, Kata, Dirarode, Nyemau, peut appeler Petutudo, Unti, Mocho, Nyemousse, Kata, Dirarode, Unti, Majra, Sika, Klosalo, Kule, David a compris et il a dit pour lui, il a consacré tous ses efforts à préparer le temple de Dieu, de mon Dieu. Il a dit pour un temple pour Dieu, pour mon Dieu. Il a préparé, il s'est préparé. Et tout ce que je dis, il a même fait venir des gens de partout. Il a utiliser de l'or, il a parlé de l'or, de l'argent, du bois qu'il a mis de côté pour le temple de Dieu. C'est une préparation pour que cela puisse arriver, parce que sans cette préparation, on ne peut pas se lever et dire on va construire. Ce n'est pas une maison d'homme, c'est une maison de Dieu. Sorry, je suis long. David, un zirado. Domo, chotefotefo, ova, edgeraro le gagome, edgeraro le chica, colossal gome, edgeraro le atio, chotuma, ed anigma tefe, menye, jajeraroa, menye, dono potuena, Davido, kakema ufa, chutufe, jajeraroa, mirula semebe, menye, enuko, yoko, mia choko, mia wo. Elle même mia girado pour mia bonson kata mia girado pour ega mia girado pour gbogbo mia girado le gbedodo rama mia dream mia no kuji wanye nu ajuro mi chon la ma bade mia tefe mia bia mia tobo wa pere mia ti ni mia tapo gbedo ho ni wanya ne ya ça va. Le verset 3 nous dit par amour de plus. Par amour pour le temple de Dieu, par amour pour le temple de Dieu, ça se trouve dans le verset 3. Et j'attends pour qu'on projette ce qu'on a dans le second. Par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction des biens précieux en or et en argent que je possède personnellement. En plus de tout ce que j'ai préparé pour le sanctuaire. De l'olosi me donna maou po tala. Nous si au katan la chinela. Me dira o do dadi na mauve dola. Oh, chouchou. Il a cité tout ce qu'il a donné. Il a réservé des tonnes de d'or. On a cité ces pierres précieuses. C'est ce que David a préparé pour l'œuvre, pour
la maison de Dieu. Lucio Girardo Dadia. David, hello la agbalalam, hello nami, hello sika, klosalu. Nous si okatao nye kepe, ke shinonu, be kwasio, ou be jiraro dari kwa, en nami ouwe kekeleme. Si ke e jiraro na doki, me jiraro na doki, e jiraro di na, be do kola pe tutu na mau, mau pe kola pe tutu. Et au verset 5 vers la fin, il dit quelque chose. À présent, qui d'entre vous est prêt à donner volontairement et de façon généreuse pour l'Éternel? Le peuple à toi, mais le Qui parmi vous, à présent, qui d'entre vous est prêt à donner volontairement et de façon généreuse pour l'Éternel? Azon amekaelon le edokisibe yana nu Yehowa mekaelon le edokime alo mekaelon lo nyole edokime be yawonu yana nu na Yehowa. Nous avons à répondre à cette question. Nous devons savoir que ce n'est pas toujours affaire collective, c'est affaire individuelle. Ce n'est pas parce que Kodjo a donné que Kofi doit obligatoirement donner, non. Komla e jogata kofi ha ajo au amesham bla dodosi o dodo ku ntia dojojro itole ye amesham mea intido wa olete pesia. Ici David fait, lui il a cité ce qu'il a préparé pour l'Éternel, pour donner à l'Éternel, pour préparer la construction, mais il a dit, il a donné l'opportunité au peuple, qui parmi vous veut volontairement contribuer, peut-être par son temps, peut-être par sa pensée, peut-être par ses biens, peut-être par sa prière, à la réussite de ce projet pour Dieu. David, nous si okata o ziraro, alo ziraro si okata o wo, que na mao fe gbondo kasi a tutoa, et de ode gofia djuko la kata, la ke vivia et tromo de vu djuko bobe, le mia domede amade doli sika jojro nyole mebe ya toyi dokui alo ya wonane na gbedo khosia alo na dodosia ne o emebaba wa kwa mebaba. Donc tout ce que je veux dans cette partie, parce que je me suis arrêté à cette partie, la lecture n'est pas finie, mais je me suis arrêté ici, tout ce que je veux dire, tout ce que je veux pour avant qu'on le prie pour cette partie, c'est que nous, d'abord, nous devons nous donner. Nous devons nous préparer. Nous devons mettre en tête que c'est la maison que nous, dont on parle, le lieu du culte dont nous parlons, c'est la maison de Dieu, que nous voulons contribuer. Pas forcément, il faut, quand on dit contribuer, il ne faut pas toujours aller au niveau de dollars. Non, contribuer. Et si tu prends même ça à cœur, Ma blaka kwere ko ba mtore tafasia kwikwi atolia ji ple susu ba elle kaka yingo kaka majibe myase nana goma nukpia nukpi goma myase konyembe bele jojrom to myasi ba nya jirado a menyebe jigere no be wa jirado a cho nono ma de ave wo cho wo do a
mi ponel dollar pe akpaji alo gaba akpaji menye gaba akpaji kokoko anye o atenye nonomo bubu o me bon kake ejajira do a nya seme be enye nu gomesese na amadokui enye nu gomesese na amadokui amanto pe jojro pele pe un tete nti do Amento va jojro pele efen tete nti do elanye gbedodora meyo elanye gokamene le wogelo mega ble ngbedora o kake wonto na nya be nu si okata wo mi yele wo na mau nyala gomenye comprendre et se mettre, c'est-à-dire ça, c'est à cœur. Tu as ça à cœur et ça devient fardeau pour toi. Et tu, quand tu pries, quand tu ouvres la bouche, tu demandes à Dieu, ça devient un besoin pour toi. Et j'ai déjà cité ce verset de Philippiens qui dit que « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ah. » Eu não te dou uma e nem maula até o nome bacana um e até o no seu catarse na Cristo vem copa de esse é a viver. Parce que si ça ne devient pas fardeau pour toi, si ça ne devient pas un besoin pour toi, tu peux prier, mais Dieu répond aux besoins. Dieu, c'est-à-dire va voir, doit voir que cela est, c'est-à-dire devient fardeau pour toi. Tu veux. Tu veux, c'est-à-dire que tu désires cela, ça devient besoin pour toi. Et tu cries comme tu as besoin de nourriture. Et tu cries à Dieu, Dieu, donne-moi à manger. C'est comme ça que tu peux crier à Dieu, que Dieu, donne-moi, c'est-à-dire à investir, à avoir part dans la construction, dans l'édifice de ton royaume, de ton temple, là où nous allons nous réunir. Dieu pourvoit et Dieu pourvoira. Me crois que vous pouvez le croire. Elle est belle, gnon, le miam, Jojo, ato miam, ame sham plato, Jojo, ato miam, be, me diba mawo, doya, na mau, menye a mele dom namu, ke boom, nye Jojo, nye a belisico, ndikany, a hiambe madun. Ndoma madunu alo mleke keke cho madogora na mawe na cho waka wana wakpo besagbo bolo na mia na na mabebebo nyebe na nyebe ehia onya tepo be elegbedo ho dimu na mawa ke etrozu na na sike hiam nele e onya na na hiam nele ene bia mawutala mawakpo bo nya tepo gbedo ho la ela meya biam ela mesia hiam yena o tromuro ragbanya ke mawene afuma egbedo afema e maula azenya nule ye egbedo ko asunya si je ne sais pas si ça va. Oui, il a dit quelque chose dans le verset 2 ou verset 3, je ne me rappelle plus tout, que c'est verset 3 qui a commencé par dire, par amour pour le temple de Dieu, j'ai donné ceci. Je donne tout ce que j'ai personnellement. Je donne ce que j'ai personnellement à Dieu. Par amour pour le temple de Dieu. Par amour pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il a compris quelque chose et il aime cela. Et il se donne, il donne personnellement. Il a déjà donné des choses, hein, mais lui-même, il se donne. Je n'ai pas donné, peut-être qu'il a donné ça comme roi. Mais personnellement, comme David, sa personnalité même est engagée ici, qu'il donne, il a donné maintenant des tonnes de d'or. Il a donné, il a cité encore ce qu'il va donner. C'est par amour pour le temple de Dieu. Si nous avons l'amour pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le temple de Dieu, nous devons nous engager. Et l'engagement là va apporter Dieu à agir, à nous donner ce que nous avons besoin. Ok, Marc, pourquoi tu es un ami? David, le Bobolombe, et si on y est, de ma body jolle, ni ma ouf à fait, moutala, et si de ma body jolle,
le nye mao fe afe wo ta la. Ma cho nye jibre bo. Ma cho nye susu kata. Ma cho nye usu kata awodo. A chu hosi ana nye mao. Ma cho sika. Ma cho klosalo. Ma cho nusi okata la sinye la. A je dola gome. Na nye mao. David wajo jiroa. Ye ko hiyam me lebe. Wa do mi on kata mi am. Ne mi ase gome be. Ne jo, enye jo jiro na mi vava. Cho mi ape jiroma. Ne be mi fure mi ape jiroma gbebe. Nya tepe mi le gbedo ho hiyama. Kema mi ape babia. A devi le mao fo nkume. A devi le fo tume. A nya se le mao fo tume. Kaka na me nye jo jiro na mi o la. Je veux que nous allons nous arrêter ici pour le moment pour prier. S'il y a lieu, nous allons continuer aujourd'hui. Mais je veux qu'on prie pour deux sujets ici avant de continuer. Et je veux t'inviter. Ne sois pas seulement là, mais je veux que tu comprennes. C'est pourquoi je me répète beaucoup. Parce que je veux que tu puisses comprendre ce que je veux dire par là. Je ne veux pas courir pour parler, mais je veux que tu comprennes ce que je dis. C'est qu'il faut t'engager par amour pour Dieu. Il faut t'engager, veut dire prier. T'engager veut dire prendre ça comme un fardeau. T'engager veut dire disposer de tes biens. T'engager, c'est disposer de ton temps, disposer de ta pensée pour que l'œuvre de Dieu, pour que le lieu, la recherche du lieu de culte puisse avoir, puisse être un succès. Donc, on a un tournoi de moteur et cher et libre. A messiam, ne t'audoukui, ne t'audoukui, de doya pour woman. Ne t'audoukui, abe dosia, et hiane, vivier, ou nous catan. Et t'audoukui, be dosia, et n'y y peut do, yerolo godo. A to, ya to y peut sika, ya to y peut, nous nommé si au catane. A to de doya pour woman. Wanye nane sike anyocho eya mame. Mia dumuto de siade. Mia nyebere. Enye nane sike leve vie nami. E mia bia. Nema wate atwe anami. Je veux qu'on lise aussi 1 Pierre 2, verset 5. Menjima mia chlepita gbanto. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. 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 Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Que mi on to la? Abek pek bak beho ene la, mi wo mi adoku apek pek bak beho ene. Eye, mi wo mi adoku bodoho bak be. Formé une maison spirituelle. Bokbome bodoho bak be. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Nous avons besoin de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous donner d'abord nous-mêmes comme des pierres. Parce que dans ce que nous venons de lire dans l'Ancien Testament, David a donné des pierres précieuses. Il a parlé de l'or, d'autres pierres que nous ne connaissons pas, mais ce sont des pierres précieuses qu'on a utilisées pour construire l'édifice.
Mais ici, Pierre nous invite à dire que nous-mêmes, nous sommes des pierres vivantes que nous devons nous donner. D'abord, si nous ne nous donnons pas, nous pouvons Dieu beau crier, nous pouvons avoir de belles idées, mais si nous ne nous donnons pas, nous ne pourrons pas achever ce que Dieu veut, ce que Dieu veut de nous. Nous ne pourrons pas arriver à construire un temple pour Dieu, à construire un édifice vivant, c'est-à-dire des victimes spirituelles agréables à Dieu. On ne peut pas arriver si on ne se donne pas. David a, mais c'est nous qui David a étudié qui a bien donné toi et namau. Et David a étudié pour sika colossalo plutôt dans des dossiers forme. N'y a pas, il mette trop mieux que a bien bien bagbe a bien bien sika ouate à tuoi à ton tuo. Et mieux zoupe kohoué alors mieux zoupe doko kohoué ola. Il m'a dit que je suis à savon, mais je suis à tokbo, à toto, à toto glina mao. Elle est bien en tomia nyabedi, mitrozu bodo hog bag, mitrozu, et pe vag, et pe ag bag, mais si que wate a za. A tu, mauve bodo ho. Et comme y'a ben, mia metibli bola. Mimogarura no miro que pombe, mien miro que to, que bon, mitrozu, do onu, na mao. Mi trozu ekpe kwasi na mau mi trozu gbogbo mo pe na chapelle internationale ike wa teatro odofa na mau de ka banko do doreji en Corinthiens 3 verset 9 si on peut me projeter ça aussi je vois si j'ai bon une bonne mémoire en Corinthiens 3 verset 9 1 Corinthiens 3, verset 9 nous dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Yeah. Ça va. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et nous sommes dans le champ de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Et nous sommes l'édifice de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes édifice de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Et quand quelqu'un possède un champ, il va pour récolter dans le champ. Il va pour récolter dans ce champ. Il va pour récolter. Ah, le produit du champ. Nous devons nous disposer comme un champ de Dieu et que Dieu puisse nous utiliser. Nous donner, nous rendre, c'est-à-dire nous mettre disponibles pour Dieu, pour que Dieu puisse nous utiliser, pour que son champ, c'est-à-dire son édifice puisse être bâti. Nous allons prier maintenant. Prépare-toi pour prier, pour demander à Dieu. Demande à Dieu que Dieu puisse t'aider à t'engager pour son œuvre. Bientôt, moi aussi, ben, moi, on est pédé, mais il y a toi de qui Anna n'a un peu dossier. Un Pierre de 5 nous dit que nous sommes des édifices, nous sommes la pierre vivante. Avec ce que Peter Bantok Blenamina, Migne Bedoho, Ekbebagbe, Sikewata Zan Atuhola. Es-tu vraiment une pierre vivante?
de unyebe nyatebo atewa zawa de unyebe watanzawa avec ben atotu mo fo godo hola et c'est sacerdoce atenye te fo kokwe sike watansavo de dieu na mawa. Oui, maintenant, demande à Dieu que Dieu puisse intervenir pour que nous puissions nous engager, que nous puissions nous donner pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Prie maintenant. Seigneur, notre Père, nous voulons te dire Hosanna ce soir. Merci pour Seigneur, ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tout ce que Seigneur, tu ne sais pas. Gloire et honneur à toi et à toi seul, toi qui, Seigneur mon roi, Seigneur, ne nous, Seigneur, laisse jamais, papa. Tu as toujours, Seigneur, mon roi, à nous dire quelque chose, à nous donner, Seigneur, mon roi. Merci encore pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, tendre Père, tu es vraiment Dieu. Tu es vraiment un Père. Je viens d'abord devant ta face. Je voudrais te demander, s'il te plaît. Seigneur, notre Seigneur, comment nous devons tourner pour que, Seigneur, ceci puisse, Seigneur, arriver, Seigneur, te présente ce Seigneur, comme Père, par toi-même. Ma maison personnelle, Seigneur, que je recherche. Je demande au Dieu que cela soit comme une femme, Seigneur, un besoin vital, personnel. Merci. Continue de nous garder. Alléluia. Merci. Pour ton œuvre, Père. Dans le nom de Jésus. C'est pour ton œuvre, Père. Pour la gloire de ton Seigneur. Nous allons encore prier. Nous nous sommes donnés comme pierre vivante. Nous voulons maintenant que Dieu nous aide afin que nous puissions prendre part. Nous puissions prendre
l'œuvre, la recherche de lieux permanents de culte, là, que Dieu puisse nous aider, que ça soit un fardeau pour nous, que ça soit quelque chose, un besoin pour nous, que nous puissions réfléchir sur ça, que nous puissions, quand nous allons ouvrir notre bouche, que nous puissions implorer Dieu, parce que si ça devient un besoin pour toi, Dieu va satisfaire ce besoin. Si ça ne devient pas un besoin, Dieu ne satisfait pas. Mais ça devient un besoin, Dieu va satisfaire ce besoin. Donc, prie ce soir que ce que nous disons, que ça devient véritablement un besoin pour toi, que tu vas prier pour cela, tu vas faire tout pour que cela soit réalisé. Et si ça ne se réalise pas, tu ne vas pas donner la paix à ton âme, tu ne vas pas te donner du repos. Tu vas toujours prier Dieu pour que Dieu puisse nous satisfaire de ce besoin. Prions que ce besoin-là soit à cœur, soit nous ayons ce besoin à cœur. Prions. Éternel, notre Père. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Éternel. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous glorifions ton nom. Merci. Papa, parce que c'est toi seul qui peux le faire dans Merci. Nous. C'est toi seul qui peux te manifester au sein Merci, de Papa. Moi, Thomas, je crois. Seigneur, mon roi, tout besoin, Seigneur, de nous si aider. Si c'est véritablement Papa, besoin, Seigneur, notre Dieu. Papa, aide-nous. Je suis pour toi. Tout en pourvoyant à nos besoins. Papa, Seigneur, c'est pourquoi ce soir, Papa, je veux te demander, Seigneur, mon roi, interviens, s'il te plaît. Pour la chapelle internationale, la recherche d'un lieu, le nom du culte, une maison pour t'adorer, une maison que nous allons appeler notre Seigneur, que ça devienne véritablement un besoin, que ça devienne véritablement un besoin. Nous ne recherchons pas un endroit. Pas Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous recherchons quelque chose qui se devient Nous recherchons un endroit. La maison de notre Père, la maison de prière, la maison de guérison, la maison de bénédiction, la maison de compassion, la maison de miséricorde. Oh, éternel des armées, c'est ce lieu que nous recherchons. S'il te plaît, Père, nous prions à toi. Maintenant, Seigneur, Seigneur, Je te supplie, Seigneur, s'il te plaît, Papa, maintenant, avec mes frères et sœurs, Seigneur, d'une seule voix, Seigneur, d'une seule âme, Seigneur, d'une seule pensée, Jésus, position de la chapelle internationale, faire quelque part que tu veux nous positionner. Jésus, positionne cette église pour la gloire de son Saint-Nom. Papa, je compte sur toi. Papa, s'il te plaît. Écoute-moi. Écoute nos supplications, Seigneur. Que rien ne soit un obstacle, Seigneur Jésus, pour que tu puisses écouter nos prières, nos supplications, dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Jusqu'à ce que, Seigneur, ce projet soit réalisé. Papa, Seigneur, notre Dieu, tu peux le faire. Papa, Seigneur, mon roi, tu peux le faire. Nous voulons participer, nous voulons être des pierres vivantes, nous voulons être, Seigneur, un édifice pour toi. Nous voulons, Seigneur, mon roi, être, Seigneur, mon roi, comme l'or que David a donné, comme, Seigneur, la
chat que la vie dans les. Nous-mêmes, nous voulons nous donner, Seigneur, pour Seigneur réaliser ce projet. Papa, Seigneur, mon nom, aide-nous, Seigneur, notre Père. Papa, Seigneur, notre Dieu, aide-nous à réaliser ce projet. Papa, notre Père, aide-nous, Seigneur, mon roi, tu n'abandonnes pas celui qui crie à toi. Papa, ta parole a dit que, Seigneur, mon roi, tu pourvoiras nos besoins. Papa, Seigneur, mon roi, si cela ne devient pas un besoin pour nous, Seigneur, ce sera difficile que tu les réalises. Papa, Seigneur, mon roi, fais-nous comprendre que c'est un besoin, une chambre pour nous, afin que nous puissions, Seigneur, crier à toi, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, mon roi, réaliser cela pour nous. Papa, merci, éternel. Papa, merci. Sois loué, Seigneur. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Papa. Néyomula, ma ton amour. Néyomula, ma ton amour. Qui a retenu mon attention aussi, c'est il a dit par amour pour la maison de l'Éternel. Dans d'autres versions, il dit par l'attachement à la maison de Dieu, je tourne. Par amour pour l'on, par amour pour nous devons avoir cet amour pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu. Ça va nous pousser à donner, ça va nous pousser à nous donner. Nous allons prier pour cet amour. Une des cahiers l'aigne sous le nous réclamait David non bobblom nami be lolo lolo ike y dona ma oupe ape lolo si ke y dona ma oupe ape la tala nous sia nous si ke le sia ya dirado di na ma oupe ape la. Mia dugbeda, mia biabedi, non lo man, non le miam. Mauve non lo ma, mauve duhovo non lo jo, drum mandi, nenno le miam. Nenno le miam, nenye nuve vina mi, si ke hia miele to jim, ke ne wanye non lo aho le miam. Mia dugbeda. Lo wo go dai. Oh yeah, oh
Amour de Dieu qui fait faire des choses sans qu'on ne réalise pas, quand on ne s'ouvre pas dans le cœur, quand on ne cherche pas de soi-même son intérêt, c'est ce qui est Dieu de nous. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde cet amour, l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour les œuvres de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour la maison de Dieu. Nous allons demander que cet amour-là soit à nous. Je veux qu'on travaille sur nous d'abord, avant d'appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Nous-mêmes, nous existons. Travaillons sur nous-mêmes, demandons des choses pour nous-mêmes. L'amour de Dieu, nous avons besoin que Dieu puisse vivre à nous, pour que nous puissions développer cet amour-là. Je te supplie, Seigneur, je te supplie, s'il te plaît, Jésus. L'amour développe en moi, Seigneur Jésus, l'amour pour cet amour. Ta l'amour très profond, cet amour. L'amour pour que Seigneur, indescriptible, cet amour incompréhensible. Cet amour, Seigneur, nous cet amour sacrificiel, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, mon oh, roi, que Seigneur, éternel, mon Dieu et mon Seigneur, pour Seigneur, mon roi, c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas, Seigneur, notre Dieu, notre oh, mon Dieu, nous oh, pas, mon Seigneur, Père, tu nous as dit que tu pas aimé le monde. Papa, ni les choses du monde, mais Seigneur, mon roi, s'il te plaît, mon Père, s'il te plaît, cultive nous, Seigneur, amour. Je demande que tu développes maison, cet amour dans mon cœur. Développe cet amour, que je suis dans la joie, comme tu dis, Seigneur, qui ne sera jamais à l'aise. Je suis dans la maison, dans la joie. Ce fardeau, Seigneur Jésus, soit réalisé. Il a dit, Seigneur, développe en moi, Seigneur Jésus, cette abnégation. Développe en moi, Seigneur Jésus. S'il te plaît, mon Père, déverse cet amour, Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit pas le chemin à la maison de Dieu. Je Papa, s'il te plaît. Mes possessions personnelles, Seigneur. Papa, s'il te plaît. Papa, Seigneur, quel amour. Dans Papa, le précieux nom de Jésus. Pour nous. Papa, développe cet amour en nous. Accorde-moi, Papa, Seigneur, cet amour, Seigneur. Que nous puissions grandir dans cet amour. C'est-à-dire que cet amour brûle, Seigneur, au-dedans de moi. Que cet amour, Seigneur, me consume. Au point que je ne puisse parler comme la protection qui a des malheurs à moi. Malheur à moi, je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Ô éternel, merci. Si je ne vois pas, Seigneur, ce projet se réaliser. Papa, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, mon Père, dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, donne-moi, s'il te plaît, Père, qu'il faut sacrifier, Seigneur, donne-moi cet esprit sacrificiel dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, ton œuvre d'abord, ton œuvre d'abord, ton œuvre d'abord, s'il te plaît. Ton œuvre d'abord, s'il te plaît, mon Dieu. Ton œuvre d'abord, Seigneur. Ta maison d'abord, Seigneur. Ta maison d'abord avant moi-même, s'il te plaît. Ta maison d'abord, s'il te plaît. Ta maison d'abord, s'il te plaît. S'il te plaît, mon Dieu. Papa, aide-moi, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, Seigneur. Que je ne regarde pas derrière. Aide-moi, Seigneur, à toujours regarder de l'avant. Seigneur, aide-moi afin que mon Père ne soit pas, Seigneur Jésus, baloté, Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi cet esprit d'abnégation. Donne-moi cet esprit, Seigneur, pour que je puisse grandir, 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 que je puisse attendre mon temps, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux attendre parce que tu as la foi, Seigneur. Tu permettras, Seigneur, que tout ce qui doit être fait soit fait. Papa, s'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, mon Seigneur, travaille-nous. Je te supplie, Jésus. Enseigne-moi, Seigneur.
Merci, Seigneur mon roi. Sois, Seigneur mon roi, notre Jésus. Enseigne-moi, Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu. Enseigne-moi, s'il te plaît. Seigneur mon roi, comment le faire. Il a démontré cela. Merci, enseigne-moi, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu. Merveilleux. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Je veux qu'un volontaire élève la voix et prie pour cette partie où que Dieu travaille nous-mêmes, que notre engagement, notre amour pour l'œuvre de Dieu, que Dieu puisse travailler cela pour que nous puissions plaire à Dieu d'abord, plaire à Dieu. Prions que quelqu'un puisse élever la voix et prie Dieu pour cela. Il n'y a pas un volontaire? Okay. Nous prions le fait était de lever la voix et de nous remettre entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. En priant. Notre Dieu, notre Père, nous sommes arrivés à un moment critique dans notre marche avec toi. Un moment pendant lequel nous devons nous arrêter pour nous examiner. Nous nous sommes examinés et nous avons trouvé des défaillances. Nous confessons que notre amour que nous devons avoir pour toi n'est pas à sa juste mesure. Toi, tu nous as aimés. Tu nous as aimés le premier. Tu veilles sur nous. Tu veilles sur nos enfants, sur nos maris, sur nos femmes, sur nos familles, ici comme ailleurs. Tu nous permets d'aller et de venir. Nous nous couchons, nous dormons, nous nous réveillons. Il y a des événements de toutes sortes qui ont lieu dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos États, dans le monde entier. Cette situation de pandémie, les gens tombent, mais nous sommes là, nous allons, nous venons. Ce n'est pas ta grâce, ce n'est pas à cause de ton amour. À cause de l'amour immense que tu as pour nous. Mon Dieu, mon roi, regarde-nous autant que nous sommes, individuellement et collectivement à la chapelle internationale. Aide-nous à nous refocaliser sur toi. Aide-nous à revenir à toi. Aide-nous à ne pas chercher en premier les choses matérielles de ce monde, mais à venir à toi, à chercher d'abord, comme tu as dit, ton royaume et ta justice. Et le reste, toi, tu vas le faire pour nous. Comme tu es fidèle, tu vas faire ce que tu as promis. Nous venons à toi ce soir, mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint nous régénère. Que ton Esprit Saint nous sonde un à un, une à une, et nous transforme nos pensées, afin que nous puissions vraiment être des vases d'honneur dans tes mains, des instruments que toi tu vas utiliser pour ta gloire. Béni sois-tu. Nous savons que ce que nous voulons faire, c'est pour contribuer à l'avancement de ton royaume.
Nous sommes à la recherche d'un lieu de culte pour te louer, pour t'adorer. Qui peut le faire? Ce fardeau semble difficile pour nous parce que notre amour pour toi n'est pas encore, nous cherchons encore d'autres choses. C'est pour ça que humblement, par ma modeste voix, nous prions toute la chapelle internationale en train de prier pour que toi, tu nous redynamises, que tu nous redonnes une autre compréhension de toi, que tu insuffles en nous l'amour du disciple pour son maître, que tu insuffles en nous, en chacun de nous, l'amour du fils, l'amour de la fille pour son père. Un amour qui ne faillit pas. Mais pour cela, nous avons besoin de toi, de ton esprit, pour nous changer, pour changer nos façons de penser, pour nous régénérer. Nous nous remettons humblement à ton Esprit Saint. Nous nous remettons à toi, afin que tu nous changes. Tu changes le centre de nos décisions, que tu changes la motivation de nos cœurs, afin que nous puissions chercher d'abord ce qui est du royaume des cieux, afin que nous mettions en priorité ce qui est de toi. Et toi, tu vas faire le reste pour nous. En tant que potier, façonne-nous, remodèle-nous, redonne-nous la forme que toi, tu veux, afin que nous puissions servir pour toi, afin que nous puissions t'aimer. Augmente notre amour pour toi. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous avons quelques corps d'autres parties. Je sais que je ne vais pas tout faire aujourd'hui, mais j'aimerais bien que mercredi, on donne une autre façon à la chose. Donc, le verset 5 où nous avons lu jusqu'au verset 5, à la fin, David a dit, qui d'entre vous est prêt à donner volontairement de façon généreuse pour l'Éternel? Ça, c'est la question que David a posée au verset 5. Oui, attendez, mais David le babiam se be demia do motode atoro ku anna yante fama na dola fowa. Et au verset 6 déjà nous voyons alors le chef des groupes des familles, le chef des groupes familiaux et des tribus d'Israël, le chef des milliers, le chef des centaines et des responsables des affaires du roi offrir des dons volontaires. C'est le cas. Et il va bien m'entendre quoi. Pour me dire que je suis un homme qui est 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 un homme. Il donnait spontanément pour le temple de Dieu. On a 170 tonnes d'or, 10 000 pièces d'argent, plus que 300 tonnes d'argent. Et au cas où je suis là, Bobo, Klosalo, Gary, Bobo, et ils ont donné, le peuple se réjouit des don volontaire, car c'était d'un cœur sans partage qu'il avait fait à l'Éternel. Le roi David s'en éprouva et lui aussi une grande joie. Jukola, ça c'est le verset 9. Monsieur Olo Ngolado, yé wohonna nou jowo yuma, ke esia webe jijjo, David alekbegbe. Le peuple a donné volontairement
Et c'est avec joie même que le peuple a donné volontairement. Il a dit, le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils faisaient ces dons à l'Éternel. Ici, ils ont dit, c'est dans ma version, ils ont dit, c'est avec un cœur sans partage qu'ils avaient fait, qu'ils les avaient fait à l'Éternel. Donc ce soir, dans cette dernière partie, parce qu'il ne reste que 10 minutes, nous allons prier. Nous allons. Je ne veux pas trop parler, je ne veux pas trop insister sur ça, parce que vous avez compris que le peuple a donné. On a cité, j'ai pris la peine de citer quelques portions où ils ont donné 170 000 tonnes d'or. C'est beaucoup d'or pour la construction du temple. 170 000 tonnes d'or, ils ont donné. Beaucoup de bronze, d'argent, ils ont donné. Et volontairement, ils ont donné avec joie. Nous allons, nous ne le faisons pas, ce n'est pas pour un appel de fond que nous disons ça, mais nous voulons que nous puissions comprendre tout autour, nous aussi, l'importance de donner dans la maison pour l'œuvre de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir la construction, soutenir l'achat du temple. C'est important. Le peuple a donné et ils étaient bénis. Si nous continuons la lecture, nous allons voir comment David a prié pour le peuple. Il a remercié Dieu. J'ai voulu arriver là-bas, mais je n'ai pas pu aujourd'hui. Mais nous allons voir ce qui est sorti de là. C'est la bénédiction qui est sortie dedans. Je veux que nous prions maintenant. Nous demandons à Dieu que Dieu puisse nous aider afin que nous aussi, nous puissions emprunter le pas. Nous puissions aussi donner avec joie, sans retenir, donner avec un cœur sans partage pour l'œuvre de Dieu. C'est ma dernière requête. Ok, je ne vais pas partir, ma bien, mais je vais vous dire. Ok. Souvent, quand on parle de construire l'église, faire ceci, nous pensons aux autres. Nous pensons que quelqu'un va venir d'ailleurs pour nous apporter quelque chose pour le faire. Mais moi, je crois en moi que nous-mêmes, nous pouvons faire quelque chose si nous avons la volonté, si nous nous donnons, si nous nous engageons, si nous avons compris l'œuvre, nous pouvons faire quelque chose. Même sans l'apport extérieur, nous pouvons le faire. Nous allons prier pour nous-mêmes. On va prier après pour l'apport extérieur. Mais prions pour nous-mêmes d'abord, que Dieu puisse nous bénir, pour que nous puissions aussi donner, que Dieu puisse ouvrir des portes, pour que nous aussi nous puissions donner. On a dit déjà donner des tonnes d'or. C'est pas facile, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de choses. Donc nous aussi, nous allons comprendre et nous allons donner. Merci, nous allons prier. Zigane anemi globe amona anuna mia tugbedohwa. Mia besusu yina vi gbodomotoji, alo amobubu sagaji be mau akplo gatode ave. Amananu bona tugbedohwa na mi. Demi on toya de mi matin atolonuma a jonu ananu
nyanso chugbe do hoa nyon to e aje goma nyon to e adui mi ado kujibe mi ado gbedo ho te pa nyi na mi ado kuyo ke ema me ama wule popo gbe o amesi o la gbagba jem ya pe do wonchi ga sugbo onye tuna gbedo ho menye ga via do onye o e gasi amonale bibla me menye ga vi onye o ta gbedo dora awebe mawu avu agbo le miango mawu avu agbo le miango be nyate kpo amotonu atovatu ebe gbedo ho ta mi anu gbedo dora ji mi aseme be ehia na mi be lolo lolo si mi atona mawu dola anabe anabe mawu ayira le miafa jojroji e miafa jojro gbanto anye mawu papa priyo. Adorable Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te lever ce soir. Tu nous as fait comprendre que nous devons donner par l'exemple du peuple d'Israël qui ont contribué pour que ta maison puisse être bâtie. Papa, nous aussi, nous voulons avoir part à cette bénédiction. Nous voulons aussi participer. Quelque part, que Seigneur, ton œuvre puisse s'il te plaît, Seigneur, accorde-moi cette Seigneur, grâce. Roi, Seigneur, notre si tu acceptes prendre quelque chose de nous, mais Seigneur, ce n'est pas ce n'est pas, Seigneur, mon roi, facile. Si tu acceptes, possible, Seigneur, parce que nous puissions Seigneur, participer, roi, toi, c'est tu grâce. Papa, Seigneur, si tu acceptes, Seigneur, Jésus, que nous soyons mentionnés, je veux que, Seigneur, mon roi, tu nous disposes dans tes cœurs. Si tu acceptes, ô roi des rois, que nous puissions, être, Seigneur, des gens qui, Seigneur, mon roi, donne sans avoir part, Seigneur, à ce que tu as fait. Avec un cœur libre, avec un cœur, Seigneur, sincère. Parce que tu es capable de le faire, Seigneur, mon roi, enfouir les choses pour toi. Pour que, Seigneur, mon roi, peu importe sa grandeur, peu importe sa classe sociale. Papa, Seigneur, mon roi, oui, mais Papa, tu nous apportes. Papa, Seigneur, mon roi, que nous puissions aussi, Seigneur, Jésus, prendre part Seigneur, à ce que tu as fait dans notre temps et dans notre histoire et dans notre époque. Tu connais, Seigneur, comment nous allons nous prendre. Seigneur, je prie, toi, tu connais, Seigneur, ce que nous avons, de Nazareth. Seigneur, tu as besoin de nous. Je voudrais vraiment te supplier encore, Seigneur. Papa, Seigneur, mon roi, mais parle individuellement à chacun. Parle-moi, Papa. Donne-moi personnellement, Seigneur, mon roi, nous aime mon cœur, afin que je puisse, Seigneur, mon roi, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Avec joie. Accorde-moi la grâce. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Accorde-moi la grâce. Père éternel, notre Dieu. Papa, interviens, interviens, interviens. Accorde-moi la grâce. Dieu. Merci parce que, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le feras. Merci parce que merci, tu es Seigneur. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci parce Jésus. Que tu es Seigneur, notre Père. Tu es bon. Gloire et honneur à toi. Merveilleux. Tu es béni pour tout ce que, Seigneur, tu fais. Merci parce que, Seigneur, tu es Seigneur, devant nous. Merci parce que tu nous bénis avant, Papa, afin que nous puissions libérer cette bénédiction-là aussi. Papa, Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu mets la main, Seigneur, mon Dieu, sur nous. Merci parce que tu, Seigneur, nous as choisi de venir de participer à ton œuvre. Merci parce que tu, Seigneur, mon roi, nous as donné l'opportunité, Papa, Seigneur, mon roi, d'investir dans ton champ. Papa, Seigneur, merci. Papa, Seigneur, investir chez toi, Seigneur, mon roi, en nous restant de Jésus. Taille. Merci, Papa. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Jésus-Christ de Nazareth. Je te supplie, Éternel des armées. Je te supplie, tendre Père. Je te supplie, s'il te plaît. Merci parce que, Seigneur, Papa, s'il te plaît, donne-moi de me donner moi-même d'abord. Seigneur, tu m'as donné le conseil du Seigneur. Seigneur, mon roi, disposez ce qu'il faut pour participer à ton travail. Seigneur, mon roi, parce que tu as tout donné en Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. L'enfuissant de Jésus. L'enfuissant de Jésus. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Je veux que finir, mais je veux qu'on me projette le Hébreux 3, verset 4. Hébreux 3, verset 4. En même temps, Exode 36, verset 5 aussi, après Hébreux 3. Hébreux 3. OK. Hébreux 3, verset 4 nous dit,
Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Je veux que chacun garde ce verset et qu'il réfléchisse sur ce verset. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. Chacun puisse réfléchir sur ce verset. Exode 36, verset 5. Bientôt, monsieur Madibanel, vous puissiez avoir de ta main. Hébreux 3, verset 4. Hébreux, tâton, vous pouvez donner. Verset 4. Ah, vous pouvez donner. Maintenant, nous sommes dans Exode 36, verset 5. Evelianya. Vous savez pas le. Vous savez pas. OK. Exode 36. Verset 5. Blato va de Pupuyaton. Exode 35, verset 5 nous dit ceci. Et vers dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Même dans le désert, en étant peuple nomade, Dieu a exigé du peuple d'Israël d'apporter les offrandes dans la maison pour exécuter. Peut-être je n'ai pas lu tout le contexte, mais pour exécuter l'ouvrage dans sa maison, dans le désert, quand ils quittaient l'Égypte pour arriver. Et on a dit, il vient dire à Moïse que le peuple a apporté beaucoup plus que qu'il faut, ce qu'il faut. Ils ont donné jusqu'à déborder. On est obligé de les arrêter pour faire l'œuvre. Désert où ils ne trouvent pas manger. Désert où ils sont totalement, c'est-à-dire qu'ils sont l'eau même pour trouver. Donc, il doit crier, il doit murmurer, il doit faire ceci. Mais Dieu a exigé cela. Que nous réfléchissons aussi sur cette partie. Pour, c'est personnel, ce n'est pas qu'il n'y a pas un appel de fond qui va venir, mais c'est personnel. Que nous puissions comprendre personnellement pour que ça puisse nous aider. Je donne la parole, pasteur. Que le Seigneur ait pitié de chacun et de chacune de nous. Je voudrais. Oui, allez-y. Alléluia. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Je disais que le Seigneur ait pitié de chacun et de chacune de nous. Et je vais encourager tout le monde à réécouter encore cette séance de prière. C'est enregistré, ça va être posté dans quelques instants. Les médias nous font vraiment un bon travail. Ils nous postent toujours tout ce que nous faisons, que chacun réécoute et que nous invitons d'autres personnes à réécouter cela et étudier ces versets qui ont été donnés par Dieu. Que chacun relise ces passages-là pour lui-même. Wa gbugbo asi
Bible, mais nous, on l'a si on tient mieux pour nous tous. Afin, il est de droit, à mes chambres, nature de domaine. Nous disons merci à notre frère qui s'est laissé utiliser par le Seigneur. Il a fait de mon ami, frère, vie, si que d'assurer que nous avons. Ce n'est pas pour te flatter, mais tu t'es laissé utiliser par le Seigneur. Chapelle, avant de prier pour la fin, on demandera plus à celui à qui on a donné plus. Chochi hahua manami anyambe megale gblom ke wa bia amesi o na gede e wa bia gede amesi o na gede e wa bia sui amesi o na subo. Je ne parle pas d'argent, mais ce que Dieu est en train d'investir en nous, Dieu nous demandera. Cette église normale doit être solide dans la parole. Cette église doit être solide dans l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu investit tellement dans cette église. Et que celui qui a des oreilles entende. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire un grand merci. Tu as dit que celui qui arrose sera arrosé. Et nous voulons, dans l'unité de l'Esprit, élever encore ton serviteur que tu as utilisé cette nuit, afin que tu arroses encore, que tu investisses encore, que tu remplisses encore, que tu ouvres encore son entendement sur ta parole, que tu lui donnes une compréhension plus approfondie de ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous as encouragés de nous édifier les uns les autres, et tu l'as utilisé pour qu'il puisse nous édifier. Papa, je demande que chaque personne qui va réécouter encore ce temps que nous venons de passer et reprendre ces passages, les relire, les méditer, et incuber, Seigneur, les vérités que tu nous as communiquées. Je demande que ta parole trouve une bonne terre dans nos cœurs, que cette parole puisse germer, que cette parole puisse porter des fruits. Seigneur, accepte maintenant que je puisse couvrir chaque personne qui est en ligne, même les personnes qui n'ont pas pu entrer en ligne. Je demande que tu les couvres de ton sang. Je demande que leur maison soit couverte. Je demande que les anges de Dieu campent autour de chaque personne. Je décrète que la nuit est paisible. Je décrète que la nuit, Seigneur, c'est une nuit douce, que tu nous donnes un sommeil doux et léger. Seigneur, écarte tout ce qui est œuvre des ténèbres. Éloigne tout ce qui est œuvre des démons. Éloigne, Seigneur, tout ce qui est œuvre des attaques nocturnes. Et donne-nous de nous réveiller demain matin sous ta protection. Papa, en plus, nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes un lieu pour que le 31 nuit, nous ne soyons pas en ligne. Donne-nous un lieu, Seigneur, où nous allons nous rencontrer en personne. Papa, nous te supplions, Jésus. C'est une demande que nous t'adressons. Seigneur, reçois la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Merci, interprète. Merci, ancien. Merci. Frère Sénat, que Dieu vous bénisse. Amen. OK. Le secrétaire, où est-ce que vous allez?
Est-ce que le frère Wagbe est allé? Oui, je le vois en ligne. Moi, je vois Madame Wagbe. Non, lui-même, il est en ligne. Oui, je suis en ligne. Ah. Est-ce que tu as touché les techniciens? Oui, j'ai déjà touché les techniciens. Ils savent qu'ils doivent attendre